Que disent les religions et les spiritualités du corps des hommes et des femmes, de la nudité d'Adam et Ève dans la Bible, de l'absence de tabou du judaïsme, de la sensualité dans le Coran, du corps sans péché? En Orient, les religions ont-elles forgé des interdits? Nous sommes ici au centre du Marais, la plus vieille salle de danse de Paris, le temple du corps. Les plus grands, du moderne, du classique, ont dansé ici leurs premiers pas. Alors, Dieu aime-t-il mon corps? C'est tout de suite dans Tomber du ciel, le magazine de la spiritualité d'aujourd'hui. Le tantra ou le yoga de l'amour, il est apparu en Inde il y a 5000 ans. Reportage sur cette méthode issue de l'hindouisme pour vivre pleinement une sexualité sacrée. Son corps l'a porté dans le ciel des étoiles de l'Opéra de Paris. Patrick Dupont est un des danseurs français les plus connus dans le monde. Mais son corps l'a aussi fait souffrir. Il nous parle du très grave accident dont il a été victime et de sa rencontre avec le bouddhisme. Les interdits des religions du livre sont-ils écrits dans les textes ou bien ont-ils été forgés par l'histoire? Nous décryptons la nudité d'Adam et Ève, la sexualité dans le Coran, c'est notre dossier. À la fin de cette émission, nous retrouvons Frédéric Lenoir, directeur du Monde des Religions, pour savoir si, oui ou non, Dieu a un problème avec la chair. Des corps libérés et sereins, toutes les formes d'expression corporelle sont proposées ici. Celle que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui n'est ni une danse, ni une religion. C'est plutôt une méthode, une technique d'épanouissement personnel liée de loin à l'hindouisme. Le corps et l'esprit à l'unisson pour une sexualité plus épanouie, c'est ce que propose le tantra. C'est une yourte, posée à la lisière de la forêt. Un lieu propice à la méditation. Christine Laurent y enseigne le tantra, une pratique qui s'inspire du yoga et de la méditation bouddhiste. Le mot tantra signifie expérience. Le mot tantra signifie tisser, comme tisser des liens à l'intérieur de moi. Reconnecter tous les espaces, tous les morceaux et tisser des liens avec un partenaire. La yourte a besoin d'être réchauffée. Un geste important car le tantra nécessite une harmonie entre l'espace et le corps. Bonjour Fabien. Ça va? Bienvenue. Bienvenue Annie. Alors, prêt pour cette petite soirée? Alors, installez-vous. Annie et Fabien ont accepté de nous montrer ce à quoi peut ressembler la pratique du tantra en couple. Tout commence par un salut du nom indien de Namasté. En fait, le Namasté, hein, le divin qui est en moi, reconnaît le divin qui est en toi. Namasté. Moi, je suis sur ce chemin. Pour explorer des choses de moi. Donc c'est des sensations, des émotions. C'est aussi peut-être être plus en conscience au quotidien. Sous les drapeaux à prière, la méditation va permettre de se détendre pour mieux se mettre à l'écoute de son corps. La position où vous êtes le plus détendu, où vous lâchez les mâchoires, laissez tomber les mâchoires. Sentez la respiration qui descend jusqu'au périnée. Je me suis dit, autant essayer de faire quelque chose par rapport à, justement à ce corps qui peut peut-être essayer de vivre autrement, avec autre chose, de trouver un équilibre plus juste. La meilleure des spiritualités, si elle n'est pas incarnée dans un corps, ben elle n'a pas de moyen de s'exprimer. Donc c'est bien notre corps qui est un vecteur et il faut en prendre soin. Et je trouve que socialement, le tantra s'inscrit totalement dans la lignée actuelle de prendre conscience de son corps aussi dans un chemin spirituel et de couple. On va courir un petit peu sur place.
en levant le plus haut possible les jambes. La préparation se poursuit avec des exercices physiques plus rapides pour toujours mieux sentir son corps. Ces exercices-là sont faits pour être présent dans son corps et enraciné dans ses jambes, dans ses pieds. Si je ne suis pas présent dans mon corps, forcément, je ne vais pas sentir la circulation. Donc, il y a des exercices préparatoires qui sont corporels, physiques. Spiritualité ancestrale originaire de l'Inde, le tantra est apparu au 4e siècle de notre ère. Dans la mythologie hindoue, le cosmos est né de l'union du dieu Shiva et de la déesse Shakti. Fusion entre énergie masculine et énergie féminine, c'est ce moment que les couples adeptes du tantrisme cherchent à revivre. Ensuite, quand ils se rencontrent et que les deux ont trouvé cette ouverture en eux-mêmes, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va commencer à circuler plus seulement en eux, mais avec le partenaire. Donc il y a un cercle énergétique qui se fait par la respiration, par la pulsation, dans l'espace méditatif. Donc ça peut être favorisé par un mouvement, par exemple. Le mouvement qu'Annie et Fabien ont choisi aujourd'hui, c'est la vague. Un échange d'énergie qui libère des tensions émotionnelles. Il y a des états extatiques que je peux vivre avec mon partenaire dans l'exercice de la vague que vous avez vu, qui sont des moments de vibration, de connexion. Je suis connectée à mon partenaire, mais je suis aussi connectée à moi avec mon ressenti dans mon corps. La plupart du temps, c'est l'aspect sexuel du tantra qui retient l'attention. Pourtant, cette démarche, avant tout intérieure, vise à une meilleure connaissance de soi. Il y a 112 méditations tantriques. Il y en a 3 qui concernent le sexe. Il y en a 6 qui concernent le corps. Et tout le reste concerne l'éveil des sens et de la conscience. Et j'estime qu'une relation devient tantrique justement quand on habite dans son être, quand on est dans son centre, quand on a trouvé cet espace « qui je suis vraiment ». Et de le sentir, pas seulement, enfin pas le savoir dans sa tête, de l'expérimenter dans son corps. Une rencontre avec soi-même et son partenaire, c'est ce que propose le tantra entre spiritualité et sensualité. Il nous revient après une très longue absence. Patrick Dupont, surdoué de l'opéra, danseur étoile à 21 ans, puis licencié, victime d'un grave accident de voiture. Un corps plein de grâce et de souffrance. Il nous parle de son esprit, de son corps, de sa rencontre aussi, au fait de sa gloire, avec le bouddhisme. On a ce qu'on appelle la vision périphérique à 380. Et cette rencontre avec le bouddhisme, en fait, il y a 1 an et demi, elle s'est concrétisée par une prise de refuge. J'ai pris refuge auprès du grand frère du Dalai Lama, Tsongpo Rinpoche, grâce à Leila Darocha, qui est ma partenaire et associée, qui est maître d'art sacré, de danse sacrée, les danses orientales, et non pas la danse du ventre, attention, je tiens à préciser. Et donc Leila m'a appris, au cours d'un stage auquel je participais, que sa sainteté, le frère du Dalai Lama, venait vers Soissons, à Sèvres plus exactement, pour bénir un temple. Nous nous y sommes rendus, il nous a demandé de danser pour lui, chose qui n'était pas vraiment conventionnelle, mais qu'on a fait avec un grand plaisir. Et puis le lendemain, j'ai demandé à prendre refuge auprès de lui, il m'a baptisé. Il m'a baptisé sans pause, c'est-à-dire compassion infinie. Et donc c'est un immense honneur qu'il m'a fait, mais je dirais que c'était un plaisir partagé. Et en quelque sorte, il m'a remis en place dans le bon sens du terme, puisque je sortais d'une période très difficile, vous savez, avec mon accident de voiture, la dépression nerveuse qui s'est suivie après, les médicaments, l'alcool, etc. J'étais devenu quelqu'un qui n'était pas vraiment bien dans ses chaussures. Or, il a pris mon corps astral, il l'a remis dans mon corps physique et maintenant je suis très bien dans mes baskets. Comment est-ce qu'on vit le fait d'avoir eu un corps magnifié oui. Et puis d'avoir eu un,
d'avoir un corps cassé. Très mal. Quand j'ai commencé la rééducation, je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup parce que moi, je suis un oiseau qui vole. Et d'un seul coup, j'étais dans une cage et en plus, j'avais des chaînes qui étaient la douleur, qui étaient la frustration, qui étaient l'impatience. En période de rééducation, et un jour on est bien, le lendemain on peut plus rien faire. Un jour on arrive à attraper un gobelet, le lendemain le gobelet est renversé. Un jour on arrive à attraper une pièce de monnaie, et après pendant 8 jours on ne peut même pas se toucher les cheveux tellement on a l'impression que c'est des cailloux. Les perceptions sensorielles sont complètement changées quand la moelle épinière est pincée, ce qui était mon cas. Dieu merci, elle a réussi à se décompresser à coups de manipulation très très douce avec un ostéopathe, avec tous les curateurs de Quiberon, où j'ai passé à peu près 5 mois intensifs, quoi, de 8 à 8 heures par jour pour retrouver mon corps. Elle regardait les autres sur votre corps qui n'était plus tout à fait le même. Mais il m'accompagnait en fait, il me souhaitait bon courage. Je n'ai le souvenir que de gens à qui j'ai servi d'exemple, notamment une femme qui était clouée dans un fauteuil avec la moelle épinière pincée, elle aussi, mais elle, c'était beaucoup plus grave. Et je me souviens lui avoir apporté son gâteau d'anniversaire, elle avait 27 ans. J'ai rencontré cette femme à Soissons dernièrement, elle a eu un petit enfant et elle marche normalement. Vous voyez, parce que je lui ai montré, parce que je chantais en salle de rééducation, c'est la Java bleue, la Java la plus belle. Et allez mamie, vas-y, on va aller, on fait les jambes. Mais n'empêche que cette force qui m'animait, cette façon que j'avais de rire, même parfois de moi-même. Mais où est-ce qu'on l'avait puisé? Dans le bouddhisme, dans le ressenti de chaque jour, chaque matin et chaque soir, je me dis qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, et chaque matin je me dis je vais rendre les gens heureux aujourd'hui. Mais est-ce que ça a changé justement avant, quand vous étiez au fait de votre gloire, vous appréhendiez de la même façon les gens, ou bien est-ce que c'est parce que vous avez subi des épreuves que vous... Que j'ai subi des épreuves que j'ai changé, forcément, mais tous, hein, c'est notre lieu commun à tous. Tous les êtres humains passent par des hauts, par des bas. Il se trouve que moi, en revanche, c'est un yo-yo monumental, c'est une espèce de grand 8 infernal, comme ça, qui me fait passer du sommet du monde, du toit du monde, jusqu'au tréfonds, jusqu'au cloaque le plus épouvantable. Bon, il se trouve que mon karma est de renaître de mes cendres. J'incarne assez bien le phénix parce qu'à chaque fois, il y a cette étincelle qui dit non. Par exemple, quand j'ai eu mon accident de voiture, j'étais paralysé des mains et des pieds. Et j'ai su que je redansais, je savais que je redansais, je ne parlais que de ça. Et donc, ce n'était pas l'effet de la morphine qui faisait ça, c'était ma volonté profonde et sincère. Donc, j'ai redansé. Je suis retombé en dépression nerveuse, ce qui est une maladie, je tiens à le préciser, c'est pas du tout une vue de l'esprit. Hein. Et aujourd'hui, grâce à la danse fusion, grâce au cours de danse que je donne à Soissons, grâce au cours de danse que je donne ici, dans le centre du Marais, au Café de la Gare, je me suis retrouvé moi-même, et surtout maintenant, je reviens sur scène. Quoi. Est-ce que votre corps, aujourd'hui, a encore besoin de danser? Oui. Ou est-ce qu'il est fatigué? Oui, il est fatigué, mais il a besoin de danser. Pourquoi? Parce que ça le régénère. Plus je danse et plus je me régénère, plus je vais mieux. Je ne suis jamais aussi heureux que lorsque je danse. Et ça s'est confirmé le 16 septembre dernier, puisque je suis remonté sur scène. Leïla m'a tiré pour que je revienne sur scène. Elle a insisté pour que je... Vous ne voulez pas ? Non, je pensais que c'était trop tard. Parce que vous savez, quand on entre à l'opéra, le couperet de la retraite, la guillotine de la retraite tombe à 40 ans. Donc après, on se reconvertit dans le professorat ou dans l'enseignement. Et alors, qu'est-ce que vous avez éprouvé ? Vision périphérique à 380 degrés, bonheur absolu, respiration, oxygène, élévation. Il y a un photographe de l'agence CIPA qui est venu pour me photographier pour l'émission Incroyable Talent dont je fais partie en ce moment, où je suis membre du jury. Et il n'a pas une seule de photo de moi en saut. Je lui dis, mais pourquoi tu as loupé toutes tes photos de saut? Il me dit, parce que tu sautes trop et trop vite. J'ai pas réussi à t'attraper. C'était le bonheur ? Ben oui, parce que je flottais, je ne touchais plus terre. J'ai retrouvé cette sensation de bonheur absolu où on maîtrise chaque millimètre du corps. Vous savez, la danse, on dit, est-ce que vous faites du sport à côté ? Mais pourquoi faire ? Ça va de la racine des cheveux jusqu'à la pointe des pieds, et ça fait et le cerveau, et le cœur, et le pancréas, et la rate, etc. Ça fait marcher tout le corps. Tout mon corps est dédié à la danse, et parce que la danse me procure un bonheur infini. Elle me donne une force phénoménale, elle me donne ce contact avec le public. C'est vrai, c'est une drogue. Mais voir les visages radieux de ces gens à la fin du spectacle, debout, en train d'applaudir, il est clair que c'est gratifiant, ça flatte mon ego, mais surtout ça flatte mon cœur. Mon cœur est heureux, il est
J'ai dans ces moments-là, j'ai des grands moments de paix intérieure. J'avais l'impression de remplir ma mission. Dieu a-t-il un problème avec la chair? Je vous propose de relire ensemble la Torah, la Bible, les évangiles, le Coran, pour comprendre ce qu'ils disent de la nudité, de la sexualité. De faire aussi un peu d'histoire, pour savoir comment se sont forgés les interdits liés au corps. C'est un sujet de Vanessa Rouet. Dans la Genèse, il est écrit que Dieu créa un être d'argile à qui il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Il créa l'homme à son image, puis la femme. La première bénédiction de Dieu, et je souligne que c'est une bénédiction de Dieu, c'est de dire à l'homme et à la femme, fructifier, multiplier. C'est-à-dire, au fond, d'avoir des relations sexuelles et ainsi d'engendrer. Bien sûr, cet engendrement, c'est pour continuer l'histoire, mais c'est aussi pour trouver un équilibre. Mais l'union d'un homme et d'une femme n'est sacrée que dans l'amour, un amour spirituel et charnel, sublimé dans la Bible. Un des plus beaux textes de la Bible, c'est le Cantique des Cantiques. C'est un poème érotique, avec des images très fortes pour l'époque, et je pense toujours aujourd'hui sur le plan de l'érotisme. Et pourtant, un de nos grands rabbins de l'Antiquité disait, ça c'est le cœur même de la Bible. Parce que c'est dans cette expérience de l'amour de l'homme et de la femme, et même exprimée dans cette sexualité, qu'on peut découvrir ce que peut être la passion amoureuse vis-à-vis de Dieu. Comme les Juifs et les chrétiens, les musulmans encadrent la sexualité par les liens du mariage. Sont interdits l'inceste, l'homosexualité, l'adultère. En revanche, le Coran développe une vraie philosophie du plaisir. L'islam prodigue véritablement un art du bien jouir. Une philosophie du bien-aimé. Un bon musulman, croyant, ne peut l'être vraiment que dans la mesure où, chez lui, il satisfait la femme qui est autour de lui. Il doit la satisfaire sexuellement avant de prétendre à une certaine dignité spirituelle. Le charnel ne s'oppose pas au sacré, une vision que l'Église a longtemps réfutée, cantonnant le sexe à un mal nécessaire. Pendant un certain temps, l'Église, effectivement, en particulier au Moyen-Âge, n'est-ce pas, a voulu limiter la sexualité dans un but de procréation. Et on voit bien que là, il y a une peur très grande du désir, car le désir ne se vit pas seulement lorsqu'il s'agit de faire un enfant. Il y a des sermons qui ont été retrouvés du 11e, 12e siècle de certains curés de villages qui interdisaient la femme d'éprouver du plaisir. Le plaisir était la honte, était la marque de la prostituée. Mais je crois que ça, c'est plutôt l'institution qui réagit, comme toute institution, pas seulement l'Église. Regardez, toutes les institutions ont peur de la sexualité, de quelque chose qui pourrait venir bouleverser l'ordre des choses. La sexualité obéit donc au règne des pulsions. Pour éviter la tentation, il faut cacher son corps, la faute au péché originel. La raison pour laquelle le corps est caché, il faut encore faire référence à la Bible, au livre de la Genèse, au chapitre 3, où l'homme et la femme, ayant consommé le fruit interdit, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors qu'on peut comprendre qu'avant la faute, ils étaient innocents, et ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait des arrière-pensées. Et donc les arrière-pensées, dans le corps, ça peut créer des désirs, et donc des déviations de désir vis-à-vis de quelqu'un d'autre, si on voyait la nudité d'une autre personne. Alors on va cacher le corps, et l'habit va devenir l'écrin du corps, en quelque sorte. Cacher son corps en islam est recommandé aux croyants, mais la femme porte essentiellement la charge de la pudeur. C'est l'homme qui donne la filiation, mais c'est la femme qui la reçoit. Et c'est la femme qui lui donne vie, qui lui donne naissance. Donc le réceptacle féminin doit être protégé par tous les moyens. Il y a l'islam qui libère les hommes et les femmes, qui leur dit « votre islam est dans la spiritualité, dans le rapport à Dieu ». Et il y a l'islam qui
qui aggrave la demande légitime, ordinaire, des hommes et des femmes d'être dans la discrétion et qui leur demande de se couvrir de pied en cap, pas un seul cheveu qui déborde, les hommes pareil, et surtout pas poser un regard sur une femme et ne lui pas lui parler, même dans l'extrême nécessité, etc., etc. Donc on accentue la distance entre l'homme et la femme pour des raisons idéologiques. Quant au voile, il répond à une tradition et non à une prescription religieuse. 1400 ans après la naissance de l'islam, un seul siècle voile la femme, le nôtre. Alors Dieu aime-t-il mon corps ? Rencontre avec Frédéric Lenoir. Il est philosophe, historien, directeur du Monde des Religions, pour un point de vue des plus éclairés. Frédéric, est-ce que le christianisme est encore aujourd'hui une religion du refus ou du rejet de la chair ? Alors oui et non, mais c'est vrai que vous avez raison de souligner qu'il y a de toute façon un paradoxe dans l'histoire du christianisme, c'est que c'est au départ la religion de l'incarnation, donc c'est celle qui dit que Dieu s'est incarné, s'est fait chair. Et donc on devrait penser que ça aurait dû être la religion qui assume le mieux le corps, la chair, et l'idée que la vie spirituelle se vit à travers la chair, à travers le corps. Or ça a été historiquement la religion qui a eu le plus de difficultés avec la chair, avec la sexualité, d'où un refoulement du corps qui a marqué toute l'histoire ensuite de l'Occident, et qui était paradoxalement d'ailleurs encore plus fort au 19e siècle par exemple qu'au Moyen-Âge. Et là on était vraiment avec cette morale de tous les interdits, où le corps était considéré comme sale, comme tout ce qui venait du corps pouvait être dangereux pour la vie spirituelle, et on commence à peine à en sortir. Donc ça Mais fait... alors de quelle façon est-ce que le christianisme aujourd'hui, j'allais dire, réintroduit les émotions du corps dans la prière notamment ? Alors voilà, on y revient par ça, parce qu'effectivement la prière chrétienne s'était totalement désincarnée, et on retrouve aujourd'hui depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années avec les charismatiques notamment, avec les pentecôtistes, on retrouve cette idée qu'il faut éprouver Dieu dans son corps, dans ses émotions. C'est l'acceptation que finalement la prière, la relation à Dieu, la vie spirituelle, ce n'est pas une pure activité de l'esprit. C'est aussi, ça doit s'incarner dans un corps émotionnel, et donc c'est ressentir, éprouver le divin, faire une expérience, et le corps peut avoir une joie, peut avoir des sensations spirituelles. Est-ce que c'est la même chose pour l'islam ou pour le judaïsme ? Alors c'est assez différent. En fait, le judaïsme n'a pas de problème avec le corps. Ça a été une religion dans laquelle d'ailleurs il n'y a pas eu vraiment de division entre l'âme et le corps, il y a beaucoup plus une unité, si vous voulez, dans la conception théorique d'ailleurs de l'être humain, que dans la manière dont ils vivent leur religion. Et l'islam ? Avec l'islam, c'est un peu particulier, parce qu'il y a un paradoxe aussi dans l'islam, c'est que le plaisir n'est pas du tout nié. À l'inverse du christianisme, le plaisir est tout à fait validé, l'idée que le corps et le prophète lui-même a joui des biens de ce monde, il aimait les femmes, donc il y a eu quelque chose dans l'islam dès l'origine qui fait que le plaisir sexuel n'a jamais été condamné, et simplement il est canalisé. Ça doit être vécu uniquement dans le cadre légal du mariage. Mmh. Mariage qui peut pour les hommes avoir plusieurs épouses. Mais en dehors, c'est totalement condamné. Et donc, on a un paradoxe où finalement, la sexualité est beaucoup mieux vécue que dans le monde chrétien, mais en même temps, il y a des interdits très forts et les transgressions sont extrêmement mal vues et condamnées, d'où des répressions de tous les... Par exemple, les hommes qui ne sont pas mariés vivent très très mal la chasteté, donc les jeunes hommes, ceux qui sont veufs, ceux qui sont dans des situations. Et du coup, la femme a été historiquement, dans l'histoire de l'islam, progressivement diabolisée par tous les intégristes, parce que c'est la tentation permanente pour tous les hommes qui ne sont pas dans une situation où ils peuvent vivre légalement la sexualité. Alors, est-ce qu'il y aurait d'un côté les monothéismes qui seraient assez... liberticide, hein, entre guillemets, et puis les spiritualités orientales qui, elles, auraient une approche très, libérée du corps. Pas tant que ça, c'est-à-dire que les spiritualités orientales, par rapport à la sexualité, mettent aussi un certain nombre d'interdits, et notamment le cadre de l'union d'un homme et d'une femme, du mariage, reste très important dans toutes les sociétés du monde hindou, du monde bouddhiste. Néanmoins, la transgression n'a pas la même valeur en termes de faute. On ne va pas parler de péché, on ne va pas parler de quelque chose qui va vous culpabiliser, il n'y a pas la notion de culpabilité en Orient, on va parler d'une transgression sociale. On est plus devant un acte politique, donc il n'est pas bien
d'avoir des relations en dehors du mariage pour des raisons sociales. Mais l'individu ne développe pas une culpabilité par rapport à ça. C'est la grande différence fondamentale avec les monothéismes où la notion de péché introduit la notion de culpabilité individuelle qui a marqué profondément nos mentalités et dont on n'est pas totalement sorti. Puis l'autre petit point, c'est que de manière générale en Orient, le corps a une place beaucoup plus importante dans la vie spirituelle. Et donc tous les yogis, tous ceux qui pratiquent la voie bouddhiste, la méditation, que ce soit dans l'Inde, en Chine, dans les pays bouddhistes, utilisent leur corps. Donc il y a toujours cette idée que c'est à travers le corps, à travers le travail qu'on va faire sur le corps, que l'esprit va se libérer. Merci d'avoir été là, de nous avoir suivis. Merci à ceux qui ont préparé avec moi cette émission. Jean-Michel Carpentier, Francis Bianconi, Nicolas Maupier. Retrouvez les sommaires de Tombée du Ciel dans le monde des religions chaque mois. C'est notre partenaire. Tombée du Ciel, un regard libre et laïque sur les religions. À bientôt.